Ok, salut les amis, c'est Cheteau Vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et on va tourner ça dans mon jardin. C'est parti, suivez-moi. Oh là là, oh là là, arrêtez tout, stop. Les amis, l'heure est grave. Faut qu'on parle, vraiment. Venez là, on va se poser parce que là... Pff. Bing bing, bang bang. Aujourd'hui on parle de Taxi 5, mais avant, petite intro. Le producteur Luc Besson a confié les clés à Franck Gastambide. On a un personnage parisien qui va à Marseille. Sachez-le tous, Taxi, c'est avec Samy Nasri et Daniel. Point. Pas toi, frère. Je suis désolé, même si je t'aime bien, je t'aime beaucoup. Mais pas toi, frère. Je suis désolé. C'est pas possible. Non, mais Franck Gastambide, quoi. Un parisien qui vient à Marseille pour tourner Taxi 5. Mais frère, à quel moment dans cette histoire tu as cru que tu aurais été crédible? Zéro. Niette. Nada. Frère, j'ai vu ta bande-annonce, hein, voilà, mais non, c'est pas toi qui aurais dû faire Taxi 5, hein. Taxi 5, c'est sûr que c'est pas toi qui aurais dû faire ça, parce que même si t'es un bon acteur, le rôle n'était pas fait pour toi, et Samy Nasri aurait dû largement faire le rôle à ta place, et l'histoire aurait été déjà beaucoup plus crédible. Et c'était pas la peine d'avoir des nouvelles histoires, on voulait simplement avoir une suite logique, je pense, et voilà. Donc